Oui, c'est Kelton McKenzie et c'est parti pour la partie numéro 13 du Let's Play sur Super Paper Mario sur Wii. Donc la dernière fois, on avait récupéré le cœur bleu et on était quand même assez pauvre en vie, donc on est déjà en train de dormir du coup. Là et c'est parti. Si ce Let's Play vous plaît toujours, n'hésitez pas toujours un petit pouce bleu, un petit commentaire ou un petit partage, ça fait plaisir. Un petit abonnement si vous voulez me suivre sur YouTube. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Twitter ou mon Discord. Et j'essaie de retrouver là où il fallait aller. Je parle. Donc, il me semble. Alors, dans le monde 5, on a récupéré, comment il s'appelle, Tourny. Donc on va pouvoir aller à l'espèce de faille que, il me semble, on avait vu derrière ce mur là. Il y a un endroit où on peut... Voilà, où on peut aller de l'autre côté. Voilà. Il me semble qu'il y avait une faille quelque... Voilà. Tourny, viens à moi. Ah merde. Oups. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça devrait mener au pilier cœur, j'imagine. Le hall des miroirs. Ah bah tiens, avec... Oups. Avec quelques sages. D'accord. Des vitraux qui... Ah, c'est fermé en fait. Des vitraux donc qui représentent les sages. Bon bah c'est plus fermé. Ok. Je regarde un petit peu quand même, si jamais il y a des trucs. Alors là par contre, je me souviens vraiment, mais alors vraiment plus de ce lieu. Ah, Verso! On arrive enfin à Verso! Bah oui, j'avais oublié qu'il y avait Verso aussi. Oh! Et là, vous remarquez que la 3D, en fait, elle est dans l'autre sens. On va sur la gauche, sur la droite, alors qu'à d'habitude on est sur la gauche. Et donc bah c'est notre penchant de Verso. Que dois-je faire pour vivre aussi longtemps que toi? Tu dois manger uniquement ce que tu aimes. Oh. Bon là on a besoin d'une clé. C'est un truc de carte. Ah ah ah. Ce n'est pas pour me vanter, mais il se trouve que je suis un grand écrivain. J'ai déjà entendu parler des chroniques de Cruxinistre, oui. Ah, c'est toi, Cruxinistre. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a un endroit... Ah oui, c'est vrai que du coup... Ah, ça me perturbe. Ah, là, je peux. Je peux venir là. Et je suppose qu'il va falloir que je voie le penchant de Verso de Merlon, je sais pas. Ah oui, et là, autant on a une mamie gâteau, ici, qui nous cuisine des trucs. Autant, là, c'est... Guten Tag! C'est le Kaiser Saucé, cuisine 3 étoiles, Vertin Stand. Foutonnez deux ingrédients, ou je fais la cuisine si super que vous pleurez comme un pépé. Maintenant, cuisine, premier ingrédient... je sais pas moi. Une feuille ou pas. Deuxième ingrédient, Schnall. Une foudre. Faut fouler un plat avec une feuille ou pas et une foudre. Je cuisine la fousse, attendez, Schinken. Je coupe, je cuis, Schnell, vous faites la faisselle. Ah, ça a pas donné un truc cool.
Ah, horrible cuisine, mon fourneau est capoute. J'ai obtenu un C raté. Rends un point cœur et c'est le poison. C'est la première fois que je cuisine ce plat, ajoutons-le à la liste recette. Deux recettes. Souvenez-vous, Schnecken, si vous trouvez de nouveaux ingrédients, vous ramenez. Ya! Tiens, ça, on dirait qu'il est éteint, l'ascenseur. Oui, je veux l'ascenseur. Oh, hors service, eh ouais. Est vraiment dans un sale état, hein, Verso. Verso deuxième étage. Alors. Ah! Soyez les bienvenus. Il y a une bouche en étoile, ça me perturbe quand même. Je savais que vous finiriez par arriver. Oh, je sens que vous mourrez d'envie de demander où nous sommes. Oh, cet endroit ressemble à Recto, mais ne vous méprenez pas. Vous étiez à Recto, mais vous vous trouvez maintenant de l'autre côté du miroir. Mes amis, vous êtes à Verso. Oh! Ce qui signifie que je ne suis pas le Merlon que vous connaissez. Je suis son alter ego, mais un Merlon totalement différent. Je m'appelle Nolrem. Vous ne voyez donc pas, notre histoire a toujours été à double sens. Merlon et moi-même sommes les seuls à connaître ce passage dimensionnel. Pourtant, il n'est pas très bien caché. Enfin, si, il était bien caché en fait. Mais pas de ce côté-ci, pas du côté Verso. Il n'était pas très bien caché du côté Verso quand même. Vous m'avez l'air surpris. Oh, sachez que chaque médaille a son revers, mes jeunes amis. Eh bien, le pilier cœur se trouve à l'étage du dessus. Allez-y, placez le cœur pur. À plus tard. Wouh! Oh putain, elle est flippante la tour. Sachant que fallait pas que j'aille à la tour en fait. Fallait que j'aille à l'étage supérieur. Et d'ailleurs, c'est pas pour l'instant, je crois, hein, qu'il faut y aller. Ouais, faut un cœur pur. Ça doit être le. Je crois que c'est le réceptacle pour le cœur du chaos. Ou le cœur blanc. Ah, peut-être le cœur blanc. Je sais pas. Yen et ses points. Ah, je veux sortir. C'est dommage que les animations prennent vraiment trois plombes. C'est frustrant. Non, je vais pas voir ce que ça donne quand même l'hôtel. J'ai peur de ce que ça peut donner l'hôtel ici. Ah bah, non, c'est bien par là. Et donc, on a un pilier cœur, a priori, par ici. Oui! Bon, du coup, il va falloir que je retourne à Recto pour aller dans le Nouveau Monde, quoi. Plus que trois portes, hein. Vous semblez vous acquitter de vos tâches avec une certaine efficacité. Je viens de recevoir un message de Merlon. Tipeee a repris connaissance. Il vous attend au sommet de la tour Recto. Allez vite les rejoindre. Bon, bah du coup, on y va. sachant que... Du coup, Ah oui, c'est vrai. J'étais arrivé par le deuxième étage. Le premier étage, plutôt. Oups. Ce qui veut dire que... Voilà. Et c'était là derrière, c'était le mur, c'était derrière, c'était par là. Voilà. Franchement, personne ne connaît l'existence de Recto.
Ah oui, mais pourtant il y a quand même une grande Porsche qui mène au truc. Raccourci. Et voilà. Merde, c'était par où du coup? C'était par là. Je crois. Oui, voilà, c'était ici. Et il faut encore que je remonte parce que là, je suis au premier étage, hein. Ouf! On va s'y retrouver! Ah, faut que j'aille voir eux d'abord. Ah non, faut pas que j'aille voir eux d'abord. Ils doivent déjà être sur la tour. À tous les coups, ça doit être une sorte de protection pour qu'on n'aille pas à la tour et qu'on n'aille pas rentrer dans la porte sans aller récupérer Tipeee. Au moins, en foutant une cinématique juste devant la porte, on s'assure que... Qu'on va pas dans le nouveau monde sans Tipeee, quoi. Vous êtes revenu. Je me sens mieux à présent. Mettons-nous en route. Tu es sûr que tu te sens bien, ma chère? Ça va aller. Ce n'est pas le moment de rester au lit de toute façon. Et puis je veux rester auprès de Mario. Alors je ne te retiens pas, ton savoir leur sera d'une aide précieuse. Héros, veillez sur Tipeee, je vous en prie. Je vous prie, je vous en prie, je me souviens plus. Toujours inquiet pour Tipeee, Mario et ses compagnons ouvrirent la cinquième porte. Il leur restait encore trois cœurs purs à trouver. Alors que la destruction des mondes semblait de plus en plus proche, Mario aurait-il vraiment le temps de sauver l'univers cette fois-ci? Et quel mauvais tour le comte Niark et ses acolytes lui réservaient-ils? Cette aventure devenait de plus en plus dangereuse et palpitante. Wouh! Chapitre 5.1, le village Cragnon. Ah, je me souviens absolument pas. Ah si, je me souviens absolument. L'âge de pierre. Ça s'entend. Je trouve. C'est la musique d'âge de pierre. Vous vous souvenez pas de la musique qu'on avait à l'âge de pierre, sérieusement? Je sais pas si c'était un monde qui était très intéressant. Sachant que le monde le plus inintéressant, bon, c'était la première moitié du monde 6. Mais où sommes-nous? En l'air. On a une belle vue d'ici à 10 mètres du sol, mais pas de cœur pur à l'horizon. 10 mètres du sol! J'aime beaucoup cette réplique. On a une belle vue ici à 10 mètres du sol. Oh, Cragnon, gnon, gnon. Cragnon, gnon, gnon, gnon. Grand rocher qui regarde. Cragnon, petit caillou, Cragnon, besoin d'aide. Toi, et des Cragnons, bras. Ou Cragnon, faire craquer plus de Cragnons. Fin des Cragnons arrivés. Non, pas de craque, sauver Cragnon. Bon, voilà. Crag! Que se craque-t-il? Tout le monde va bien. Bah, tout le monde c'est Mario vu que tous les autres volent. Ah, quoique non, il y a peut-être Bowser, Peach et c'est tout. Crackponce, toi avoir vu Jean tomber du ciel. Zurid, je croyais que j'étais devenu Crag. Héros envoyé par Grand Rocher qui regarde. Avec poil sur figure. Mais pourquoi Grand Rocher pas envoyé Jean moins Crag? Ferme ta crague! Grand rocher qui regarde avoir toujours raison. Arrêtez ça tout de suite, dit-elle sans bouger. Serviteur de grand rocher qui regarde, vous montagnes, nous petits cailloux. Mais où sommes-nous et qui sont ces? Jean? Ça paye Cragnon, moi Cragnon, lui Cragnon, ça paye Cragnon, compris? Ça pas physique quantique, bras.
Lui, Quartz, grand chef Cragnon. Il parle de physique quantique, hein. Cragnon, quoi? Ô grand serviteur, ô serviteur du grand rocher qui regarde Cragnon avoir problème ici, gros problème, très craque, beaucoup danger. Un jour, végétaux fou venu, appelé Floro Sapiens, par Cragnon à lunettes. Floro kidnappé Cragnon. Nous, pacifiques, craque, mais eux vouloir guerre. Équipe secours Cragnon, avoir besoin de secours maintenant. Nous au bout du crag. Comment sauver Cragnon? Quartz, pas savoir. Et toujours plus de Cragnon enlevés. On est mal cragué, moi. Cragnon besoin aide ou Cragnon foutu? Foutu, bras. Trop crag. Vous écrasez Floro Sapiens. Vous sauvez Cragnon enlevé. Et vous héros des Cragnons. D'accord, bras. Oh, allez vous faire crag, oh mon dieu. Cragnon dire merci. Vous êtes trop crague, merci. Ouais, trop crague, bras. C'est grand rocher qui regarde qui vous envoie. Bras, roi Crocus revenu. Quoi? Quoi? Mais j'ai fait quelle voix pour lui, déjà? Village Cragnon attaqué, pitié. Cragnon avoir besoin, eh bah. Serviteur du grand rocher qui regarde, vous avoir entendu, bah. Pitié des Cragnons, vous et des Cragnons, et des Cragnons, pitié. J'ai eu une journée difficile aujourd'hui. Et regarde un peu, on n'avait jamais vu un truc pareil ici. Putain, parle bien. Ouais, c'est vrai, ça doit être un spécimen rare. Ça tombe bien, on avait besoin d'un nouveau larbin pour faire briller le cœur pur. Bingo. Mario, ces créatures bizarres ont l'air de savoir où est le cœur pur, ça semble logique, merci Tipeee. Notre chef suprême, le roi Crocus, va se régaler avec ce spécimen. On va d'abord l'attendrir un peu et hop, c'est parti. Oui, alors on va se calmer. Donc un Floro Sapiens et ses végétaux intelligents sont les sujets du roi Crocus. 12 PC max, 3 d'attaque. Attention, même sans la tête, leur tige continue à bouger. Nul ne sait si leur cerveau se trouve dans la tête ou dans la tige. Aïe. Hop là. J'ai bien compris, le chef de ces choses a l'air d'avoir le cœur pur. On doit le trouver. Au secours! Ah putain. Oh, il y a des rouges en plus. Les Floros Sapiens s'enlèvent d'autres Cragnons. Mon dieu, allons les sauver. Ah, ça, il faut trouver une statue qui ressemble et tourner autour, un truc comme ça. Oh, des vendeurs d'objets. Oh, l'hôtel sur lequel on est arrivé. Oh, une toute petite maison. Sauf que je n'ai pas de quoi toute petite maisonnée. Ouais, là, pareil. Il faut être tout petit. Mais il me semble que c'est un des pixels optionnels, celui qui te rapétisse. Suivons-les. Oh, putain. Oh, les cons. Oh, les cons. D'accord, je fais comment, moi? Bon, bah... Bombi, je t'aime bien. Hop là! Voilà! Allez! Wouh! Des pièces qu'il faudra que je dépense un jour aussi. Oh merde. Oh oh. Non. Bon. Ah bah merci caméra. Oh, coffre. Bon, stop avec les cartes attrapes. Ah non, d'accord. Un cleftunler. Qu'est-ce que c'est?
Waouh, quelle belle collection. Clef Tunler. C'est quoi ces ennemis? Ah oh, bah c'est ça, d'accord. Ah mais du coup je vais pouvoir leur infliger 2 dégâts de plus, sauf que je les bats déjà en un coup, donc c'est inutile. Bon, il y a un truc à faire, c'est pas possible. Ah bah oui, il y a un truc à faire, j'imagine que c'est Peach qui nous sauve. Si tu n'étais pas là, Peach, que ferions-nous sans toi? Ah. Oh. Alors ça, en fait, l'indication, on doit la trouver quelque part, j'imagine. Sûrement dans le village, mais j'ai eu de la chance. Oh, les chameaux. Oui, oui, on les voit, merci. Tu me prends vraiment pour des... pour des truffes, hein. Un mouton qui vit en troupeau dans le pays crânion. Oh. J'ai quand même l'impression que... Est-ce qu'on essaie de le battre? Allez, on essaie de le battre. De toute façon, avec Peach, bah... Ça devient vachement facile, en fait. Bon, par contre, peut-être que Bowser serait plus... Aïe, plus indiqué. Ah! Il y en a un autre, on va essayer de le battre avec... avec un Cératé, oui. Avec Bowser, plutôt. Wow. Ouh! Alors là, ça fait mal, le feu. Putain, mais vous êtes combien? Ah, oh, une Gyarados, une pièce de vente qui double momentanément votre attaque. Je pense que ça nous sera utile surtout pour les... Oh! Si ces trucs n'avaient pas été là... Oh non, me dis pas qu'il faut que je retourne au village. Me dis pas qu'il faut que je retourne au village pour savoir... Ah ouais, parce qu'en plus, ces trucs-là, c'est un truc vachement long, je crois. Si j'ai bon souvenir, en tout cas. Enfin, bonne mémoire, plutôt. Mais on a toujours croisé la statue qui était... toujours pas croisé la statue autour de laquelle il fallait tourner, je crois. Oups. Ah, merde. Bah... On se calme. Oh, oh. Oups, 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 oups. Des crânions. Poubelle en rivière, tous les jours jeter, bien débarrasser. Quoi? Comment faire? Moi jeter poubelle en rivière, toi aveugle. Or du retourner à la nature, sinon craque gâcheux. Tout le monde savoir ça. Oh, c'est pas écolo. T'as pas l'air bien. Ce visage, quelqu'un pas très crague. Azuri connaître remède contre coup de crague, toi vouloir entendre? Je vais pas dire gratuitement, mais c'est pas inquiété, bras. Moi pas vouloir pièce. Moi juste vouloir te... s'il te plaît très vite. Sérieusement. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Merde, il me manque un peu. Te plaît. Mais je viens de dire s'il te plaît. Ah, j'ai mis un S majuscule. Pardon. Je voulais pas t'offenser avec ma majuscule, avec mes grosses lettres. Alors toi, tu vas m'emmerder. On va pas être copains. J'ai l'impression qu'on me prend pour un... C'est Owen. Encore deux fois, bah oui, tant qu'à être chiant jusqu'au bout. Le L. Encore une fois. Ah, j'ai envie juste de dire plutôt ça, moi. Non? Merde, j'ai fait retour. Attends. Il va pas vouloir que je le redise encore 3 fois. Ça très long, toi, devoir le noter sur un crâne. Ah oui, donc je disais que c'est un truc très long. Hop là, juste un petit instant, j'ouvre le bloc-notes. J'ai dit que j'ouvrais le bloc-notes. Toi, t'es prêt à voir de quoi écrire sur la crague?
Oui. Alors, toi, écoutez. Toi, rencontrer autres trois blocs alignés, toi, frapper. Ah oui, bah du coup, les trois premiers, c'était bon. Milieu, droite, gauche. Gauche, droite, milieu, droite, gauche, droite, droite. Milieu, droite, droite, gauche, milieu, milieu, gauche, gauche. Gauche, droite, gauche, gauche. Et voilà. Ah non, crâne, on va oublier. Gauche, milieu, milieu. Fini. Oui, merci. Putain, ça m'en a donné mal à la nuque, quoi. Sérieusement, j'ai mal. Bon. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de dire 50 fois, s'il te plaît. Si jamais on connaît déjà le mot de passe de internet ou quoi. Mais non, il faut pitch. Pitch, mon pitch. Voilà. Bien. Cette manière de marcher de pitch, j'adore quand même. Putain, c'était loin en fait. Donc. Alors. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Milieu. Droite. Gauche. Droite. Droite. Milieu. Droite. Droite. Gauche. Milieu. Milieu. Gauche. 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 Droite. Gauche. 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 Milieu. Milieu. C'était à peine relou. J'utilise ma paravoile. Aïe. Bon, c'est un peu loin quand même. Est-ce qu'avec Mario, quand je suis en... tout au loin... Ah non, je peux pas... utiliser le... Système D. Est-ce que c'est une plaisanterie? Je suis venu jusqu'au bout pour rien. Non mais c'est bien de contempler ce superbe décor immensément varié en si peu de distance. À moins qu'en fait il y a un chemin par là. Et ben ouais, en fait c'était par ici. Oh. Non mais ce niveau, c'est vraiment le niveau du troll quoi. Hop là, je peux fermer ça. Non, j'enregistre pas, non. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Bon, eh ben on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir. Vous abonner aussi, ça fait plaisir aussi. Puis comme ça, vous pourrez me suivre sur YouTube. N'oubliez pas, vous avez mon Twitter et le serveur Discord en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour la partie 14 de ce Let's Play sur Super Paper Mario. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !